Bonjour, je dirige une agence digitale en France, une agence de web. Mon entreprise investit énormément sur les produits labellisés, l'environnement, l'accessibilité pour tous, depuis 2004. Mais cette R&D est très peu reconnue par les instances économiques, qu'il s'agisse des entreprises ou de la collectivité. Répondre à un appel d'offres ne permet donc pas de faire basculer un marché en ma faveur, malgré cette labellisation. Alors oui, nous respectons les normes, nous alourdissons nos coûts de développement, nous nous bridons en qualité d'entrepreneur, au strict respect de la loi, nous standardisons nos réponses, nous cassons même un peu notre innovation, mais cela ne paye pas. La nouvelle économie peut-elle et doit pouvoir bousculer tout ça en changeant le modèle? Ce que moi je propose, c'est l'idée de valoriser l'usage, de fédérer, pour faire adhérer les gens, plutôt que d'aller vers un cadre normatif. Cela libérerait la créativité, la recherche, le développement de solutions alternatives et des approches nouvelles. Comment la Commission européenne peut-elle intégrer un processus de décision d'usage ou de retour d'expérience usagée pour valider une pertinence de produit ou d'un process plutôt que de le régler simplement au strict légal du sens normatif. Merci.